Et bonjour, bienvenue sur RC Atomic FR, la chaîne consacrée aux pièces RC Atomic. Donc aujourd'hui, on se voit pour un petit déballage, le déballage du châssis laiton pour DRZ2. Donc je vais vous montrer à quoi ça ressemble. À de suite. Donc voilà comment ça se trouve. Qu'est-ce qu'on retrouve dans le châssis? Donc la partie avant en laiton, la partie arrière aussi en laiton, le petit sachet de vis. Voilà. Donc ça va venir ici. Donc on sent bien que c'est du laiton, hein. Au poids, il n'y a pas photo. Les pièces sont lourdes, il y a un bel usinage, une petite sérigraphie DRZ2. Ici les encoches pour les supports moteurs. Donc ça va venir prendre place, si on regarde la DRZ2, ici, cette pièce là, et cette pièce ici. Donc on voit que c'est exactement la même, donc... ça nous permet avec le kit d'origine de faire du 80 à 90 à 98 selon le réglage qu'on va choisir. Donc voilà pour cette option de châssis laiton. Je vais vous montrer la suite des petits S laiton qui vont avec. Donc c'est des pièces, c'est les supports de cerveau et supports de carrosserie des tombes. Allez, à de suite pour ce petit déballage. Salut!